sexuelle. Donc, éjaculation précoce, problème d'érection, etc. Pour cela, j'aurais besoin de trois ingrédients. Le maca, le moringa et puis le kingo biloba. Donc là, et puis une tasse d'eau chaude ou tiède, ça dépend que de vous. Donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute mes trois macas. Je mélange mes trois macas. Après, je prends trois moringa, je mets à l'intérieur. Et puis j'ajoute une petite poignée de kingo biloba. Et après, comme ceci, vous laissez reposer. À prendre matin et soir. Matin à jeun avant de vous coucher. Matin avant de vous coucher. Le matin avant de sortir plutôt. Et puis le soir avant de vous coucher. Le matin à jeun. C'est-à-dire le soir avant de dormir. Vous préparez comme ceci. Vous le gardez au frais ou au chaud durant toute la nuit. Et le matin, quand vous vous réveillez, la première des choses à faire avant de manger quoi que ce soit, vous consommez une tasse. Avant de sortir, vous préparez encore comme ça. Vous gardez. Après la journée, quand vous allez rentrer, avant de dormir, vous prenez encore comme ça pendant un mois, matin, soir, deux fois le jour pendant un mois. 30 jours. Alors, s'il y a un petit problème de goût, vous n'arrivez pas à avaler ou bien quelque chose de ce genre, je vous conseille de mettre le miel, pas le sucre. Merci.